Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quels sont fantastiques! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Après, j'ai acheté la marque de l'élu d'Eden Beaverson aux éditions Bayard Jeunesse, comme le dernier que j'ai présenté. C'est une histoire aussi comme ça. Je sais pas trop ce que ça raconte, mais elle me tentait aussi. Inconnue à cette adresse de Chrisman Taylor aux éditions Les Étonnants Classiques, voilà. Tout simplement parce que j'en ai entendu parler, qu'on va sûrement en parler au collège cette année, vu comme voilà, Hitler, quoi. Voilà, il y a la croix gammée. Que je sais que Inconnu à cette adresse est quand même un livre souvent lu. C'est sur la Seconde Guerre mondiale, pareil, avec un Allemand et un Juif qui se parlent, un truc dans le genre. Et puis après, ben, il va avoir plus personne à l'adresse d'un des deux, je sais plus, enfin, je connais pas l'histoire. Alors après, j'ai acheté Histoire extraordinaire d'Edgar Poe. Poe, dans la jungle, terrible jungle. Ouais, bon, Brenda, t'as fumé. Mais je sais pas. Parce qu'elle avait écrit Baudelaire. Voilà. Non, c'est un truc avec aussi un peu du fantastique en quelque sorte. Mais du fantastique assez sombre. Ça a l'air, la couverture est moche, qu'elle en peut plus. Et voilà, je le lirai peut-être un jour. La fille qui achète des livres mais qui sait même pas si elle les lira un jour. Et après j'ai acheté, je pense, le plus beau truc que j'ai acheté dans cette brocante. L'intégrale, enfin l'intégrale, il y a les trois tomes, donc ça fait l'intégrale des Misérables de Victor Hugo, qui sont comme les vieux livres. Les Misérables, j'ai énormément aimé l'histoire que j'ai lue en abrégé pour l'école, et ça m'a beaucoup plu. Et j'avoue que quand j'ai vu qu'ils vendaient en comme ça. Après, j'ai acheté Le Jardin des Oliviers de Max Gallo. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que le résumé me tentait quand j'ai lu le résumé, mais là j'ai plus aucun souvenir du résumé. Alors après, j'ai acheté Quand les femmes dansent de Christ aux éditions je sais pas quoi, voilà, parce que je sais plus pourquoi j'ai acheté non plus, voilà. Ah oui, après j'ai acheté L'Atlantide de Pierre Benoît à l'Académie française, parce que j'ai lu le résumé qui est là, voilà, et c'est un truc avec les dieux, donc vu comme il y a Neptune ou un truc dans le genre dedans. Attends, Neptune c'est Poséidon, ouais c'est Poséidon. L'Atlantide, ça doit parler un peu, même si c'est pas la vraie histoire je pense, de la cité perdue d'Atlantide, d'Atlantide quoi. Et voilà, j'adore cette histoire, la cité perdue d'Atlantide, et vraiment quelque chose qui m'intéresse, et donc voilà. Alors, je dis qu'il y a trop de livres encore. Alors, après j'ai acheté L'Enfant des Terres Blondes de Christian Signol. Aux éditions Pocket, parce que je sais plus, voilà, c'est quand dans les brocantes j'achète souvent les livres ou par leur couverture qui me tente, ou sinon parce que j'ai lu le résumé, ou sinon parce que je connais ou l'auteur ou de nom, et souvent quand c'est par le résumé je sais plus du tout de quoi ça parle. Qui est assez cool. Alors attends, ça c'est la Seule des Patriotes. Alors après j'ai acheté Un bouquet de violettes de Madeleine Chapal.
que... Je sais plus. Au livre de poche. Mais il y avait un truc aussi avec ce... C'était encore le résumé qui me tentait, mais je sais plus ce qu'il y a. Alors. Alors, parce que, attendez, mais j'ai toute une saga que j'ai achetée parce que je me suis dit, mais t'imagines si ça me plaît et que je prends pas tous les tomes, ça serait bête. Donc j'ai pris tous les tomes, c'est sûr. Hein. La bicyclette bleue, ça va là. Alors, après, j'ai acheté Cupcake de Anna Grimm parce que la femme les avait rangés dans le truc des gâteaux. Et puis, je vois, c'est bizarre comme gâteau, hein, c'est écrit comme ça, hein, c'est pas des recettes. Et puis là, je vois Charlotte porte un nom de gâteau et tout, et puis moi, j'étais en mode, oh, purée, ça parle de gâteau, tu te rends compte? Et puis là, j'ai fait référence aussi au chocolat dont j'étais en manque après le troisième tome, et je l'ai acheté comme ça. Alors après j'ai acheté la couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Babel, tout simplement parce que j'en ai entendu parler de bien par Mallory Dansbook et que voilà, c'est encore par rapport au noir et au blanc, patati patata, mais voilà, hein, je suis tellement contente de l'avoir acheté que je peux vous blablater dessus, je veux dire, voilà. Non, ils sont tous tombés. Alors, après, j'ai acheté un livre qui n'a rien sur la couverture. Après, ah oui, j'ai acheté Heathcliff revient à Hurlevent. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Parce que je croyais que le livre qu'on allait regarder, le film qu'on allait voir en français, c'était Léo de Hurlevent, alors que c'était un long dimanche de fiançailles. Donc j'ai acheté le tome 2, mais je n'ai pas le tome 1. Alors, après, c'est quoi ça? Ah oui, la Provence au coin du feu, c'est des légendes. Donc, voilà, par exemple, c'est la légende sur les Liérois. Donc, ceux qui habitent hier, voilà, c'est des légendes par rapport à la Provence. Et voilà, ils étaient obligés. Oh, en fait, j'avais acheté les deux. Alors, après, j'ai acheté de Pagnol, Jean de Florette. Voilà, parce que c'est un Pagnol. Peut-être que c'était dans celui-là hein, qui jouait à Belote. Après j'ai acheté L'autre visage de Beverly Neido aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un truc avec leurs parents se font tuer aux enfants et puis ils du coup se retrouvent au milieu de Londres tout seul, sans personne, sans adultes, les pauvres. Et il y en a qui est très... Après j'ai acheté Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. Là, si vous avez suivi quelques vidéos et vous vous en souvenez, dites, mais elle l'a pas déjà acheté celui-là? Oui, je l'ai acheté en petit format. J'ai acheté en petit format en fait. Et il était beaucoup tout petit. Hein. Et du coup, c'était en fait, je me suis rendu compte que c'était un abrégé. Et puis là, il est en entier. Et c'est un Jules Verne, désolée. J'ai encore jamais lu de Jules Verne. Mais c'est pas grave, d'accord? Alors après j'ai acheté les trois premiers tomes, je sais pas s'il y en a d'autres, ou wow, si c'est la fin. Enfin des pistes. De la saga La bicyclette bleue de Régine Desforges aux éditions Le Livre de Poche, dont la tranche est bien jaune pétante. C'est un truc au... Mais en fait c'est pendant la guerre, d'accord? C'est pas après la guerre, c'est pendant la guerre. J'ai acheté les trois tomes parce que je me suis dit si ça me plaît. Je vais pas me retrouver en mode oh j'ai aimé mais ils ne vendent plus la suite en magasin. Je vais mourir. Voilà. Voilà, je vous explique en 2 secondes. Après j'ai acheté donc les 4 premiers tomes de la saga Les Patriotes au livre de poche de Max Gallo. Donc ça c'est aussi un truc avec la guerre. Ouais bien sûr. Hein. Et oui, c'était oublié. Mais c'est un truc donc à Paris qui est en guerre ou en plus en gros. Je veux dire. Voilà, et puis il y a l'air d'avoir une histoire d'amour, mais en même temps de l'action. Et voilà, j'avais envie, hein. Comment vous dire qu'en ce moment je suis très faible. Non, pas du tout en fait. J'avais juste envie parce que je les ai vus. Je me suis dit, de toute manière,
Brenda, achète-les. Ça va rien te coûter de plus. Et puis, de toute manière, voilà, c'est dans une brocante. Tu les as pas chers, ça sert à rien de faire tout un tchababla alors que tant tu vas regretter après de ne pas avoir acheté ces livres. C'est ce que je me suis dit en fait pour tous les livres qu'il y a là. Beaucoup d'achats ce mois-ci. J'espère que cette vidéo ne vous a pas ennuyé du tout. Voilà, je vais essayer de mettre genre une petite musique au fond quoi pour pas vous ennuyer parce que trop de livres, tous les livres. Et que moi je vous fais plein de gros bisous et il va falloir que je range tout ça, donc je vous dis adieu à jamais, au revoir, adios, à la prochaine, ciao. Et je